T'as pas de son depuis le début? Ah. We love when Streamlabs is so stupid that everything is buggy. Thank for telling me, audio. Ah, sorry. Bonjour le stream et tout, il n'y avait pas de son avant, maintenant il y en a. Bon, on va dire que pour le début, si vous regardez la rediffusion, bah regardez celui du côté de Sheila. Hein. Ah. En fait, moi je sers surtout à ouvrir le truc de maintenance pour que tu les poses au bon endroit, ça va? En fait, je sais pas si j'ai pris le bon, en fait. Mais j'en sais rien. Je pense pas que ça soit à moi de te dire que ça soit le bon parce que. J'ouvre la porte, vas-y. On essaye, on voit bien au pire. C'est Ok, bon? bah ça c'est fait. Ok, si j'enlève ça, celle-là, non, pas celle-là, j'ai failli faire une bêtise, donc celle-là. Mon gameplay est vachement amusant. N'est-ce pas? Cluster integrity critical. Shutting down modules. C'était pas ça. Je vais éteindre les noyaux quantiques. Donc Bon, c'est par attends. rapport à toi? Ah, je dois te dire ce que moi je vois? Je comprends rien, je tiens à te le dire. Ah, c'est pas les mêmes cette fois. Ah, faut que tu Peut-être que je retires dois te dire exactement. ce que moi je vois que tu dois retirer toi. Et après que j'ouvre pour que tu puisses y placer. Bon, je recommence tout, PC de hack, hack. C'est. Computer task completed. Ah oui, descend d'avance le truc. Pour ouvrir ça après au pire. Ok. Donc. Pense à ouvrir le. Computer Pas comme task si on en a réellement besoin, mais c'est ton jamais. completed. Ok. C'est bien tout ça, mais du coup ça me dit pas ce que je suis censé enlever. Bah alors moi là de ce Base de que j'en données. vois, on est T'as d'accord pas que c'est les repris la base rouges. de données pour qu'ils nous expliquent comment ça Ah fonctionne, oui tu vois. merde. Ah oui mais parce que je faisais autre chose en même temps. Et surtout que je comprends pas comment Processing tu peux savoir si tu ne vois pas les autres couleurs et les rangées et tout en fait. Bah je vois que la première pour Bah l'instant. c'est pour ça. Bah j'aimerais bien pouvoir pirater la caméra. Est-ce que je peux pirater cette caméra? Et ça là, c'est quoi là? Ça a l'air différent ça. Ah mais oui, ça, je peux l'enlever ça. Je sais pas, il y a un truc que je peux enlever, je vais essayer de l'enlever. C'est quoi? Il y a une plaque que Vas-y. je peux enlever. Il y a un empoisonnement, ça compris. Liquide de refroidissement? Oui, c'est le truc là que je viens d'ouvrir. Bouge pas. Et du coup, je vois pas en quoi ça nous aide. Espèce système avant d'effectuer la purge, merde. Est-ce que je peux le stabiliser le système? Je peux purger, je veux dire. J'ai mis en pause. J'ai pas tout compris. J'ai remis la plaque. Rapproche la caméra vers moi. Je sais pas où t'es. Là. Là, dit-elle comme si j'avais. À l'endroit de base. Je peux pas la caméra faire ça. Moi. Caméra, caméra. Je peux pas. Bon, si Y a j'enlève le un truc de truc qu'on n'a pas refroidissement. compris. Peut-être qu'il faut que j'enlève les plaques de refroidissement et que j'enlève après les trucs. Ok, je crois que c'est juste timé en fait. On avait bon, c'est juste qu'il fallait que j'enlève le truc de refroidissement avant. Ouais, Allez. mais faut le purger à la base. T'inquiète. Ouais, mais. Ouais, ok. Et comment je me débarrasse de ça? Comment j'enlève ça en fait? Je peux faire quelque chose avec ça? Je dois bien pouvoir en faire un truc, non? Je dois m'en débarrasser? En bas. Non, bah non, ça passe pas. C'est juste le couvercle en Ah fait. si!
Non, je peux pas le détacher. Non, mais je veux bien, mais c'est plaque. Quoi les clusters appropriés, c'est lesquels? On remet la plaque. Oui, j'y vais. Ok. Alors attends. Dans la ligne, on va faire numéro par numéro. Et on va voir s'il n'y a pas des plaques qui correspondent au niveau couleur. Ah, tu veux dire qu'entre ce que tu vois et ce que je vois, et on doit voir la même chose? J'imagine, je sais pas, essayons. 1, quelle couleur? C'est pas... bleu. Ah, rouge pour moi. 2. Rouge. Non, 3. Rouge. Ah, rouge aussi. Ouais, vas-y. Ok, donc je vais enlever la 3. Warning. Reduced cluster integrity. Please correct. Pourquoi elle dit que réduction de l'intégrité? Je sais pas. C'est pas le bon? J'ai aucune idée. Est-ce que tu dois en mettre un normal à la place? J'en sais rien, mais où ça? Attends, si je... Si je là, renlève la plaque là. Sur le côté, mais... Non mais ça c'est autre chose. Ok. Et un truc propre, c'est-à-dire? Bah je sais pas. Là tout à droite il y en a des désactivés. Je sais pas si tu dois les prendre. Je peux pas. Là tu peux pas aller jusque là. Non, je pas... Là-dedans tu peux pas. Récupère ce que tu viens de poser dedans. Je sais pas si je peux. Non, tout est noir. Je vois la côte. Bah oui, mais il en manque un. Attends. Je relis. La grue peut être contrôlée. Je peux pas replacer. Il parle pas de remplacer, hein, mais... Bon, donc, 4 rouges. Attends. Je vais jusqu'au bout pour voir. Il y a rien au bout, en fait. Ça n'a absolument rien. 4 rouges. Faut que je fasse tout le mouvement. Que j'y vais. Je suis comment je vais faire pour aller jusque là-bas pour savoir? Ils vont se rapprocher? Peut-être. Ah, peut-être. Alors, 4... non, moi c'est bleu. Ensuite. 5 bleus. Non, c'est rouge. 6. Bleu. Non. Attends, faut que je me déplace. Oui, bah c'est ce qu'on fait, on les retire. Ce qu'on fait. 7 rouges. Non. 8 bleus. Non plus. Bah il se passe pas grand chose de plus. Hein. Et là sur le côté il y a encore un cran rouge, donc ça veut dire qu'il manque encore un cluster à retirer. Ben ouais, mais comment tu vois toi jusqu'au bout les autres en fait? C'est ça le truc. Mais je les vois pas. Bah c'est ça le problème. Si seulement on pouvait retirer la flotte, mais on peut pas. Je crois pas, hein. Je vais relire le truc parce que là... Ben, le pire c'est qu'il est pas si compliqué que ça le truc, hein. Ils disent juste, alors il y a ça, vous pouvez les retirer si c'est rouge, et puis voilà. Le quantique se disposait en 12 rangées de 9 bases, ça on a compris. Un panneau peut être identifié par ses coordonnées ligne-colonne, dans cet exemple ligne 3-colonne 3, ça oui, on a compris. Une grue utilisée pour manipuler les panneaux quantiques défectueux. La grue peut être contrôlée depuis le poste de commande, et vous observez le mouvement de la grue grâce à une caméra montée sur la base mécanique. Ça on a compris. La caméra peut être retirée par entretien. Okay. Au sujet du contrôle de la qualité de la piscine. La piscine est constamment filtrée par une machine de contrôle, A, située au fond de la piscine. On y accède en retirant une plaque de maintenance. Attention, le retrait de la plaque en cours fonctionnement peut empoisonner le liquide refroidissement
et déclencher un mode dégradé. Attention, possibilité de dégagement de chaleur important. Assurez-vous de porter les chaussures sécurisées afin de marcher sur cette plaque. Ça, ok. Les phénomènes quantiques font que les résultats des observations peuvent changer d'un observateur à l'autre. Ce phénomène se produit notamment à cause des dispositifs de filtration de la lumière, casques, visières, etc. Oui, ben on a des casques et tout, mais ça nous dit pas ce qu'on est censé faire en fait. Ah mais c'est une... En fait, il faut compter par grillage. C'est-à-dire que là, en 1, il y en a forcément un qui est pas bon. Dans la ligne 1, il y en a forcément un qui est pas bon. Dans la colonne 2, il y en a forcément un qui est pas bon. Dans mais la colonne 3, aussi, 4... Mais c'est une bonne question. Seulement, je pouvais voir aussi... Tu vois pas à côté de moi, genre sur les écrans, la caméra, non? Non, je vois rien. Et en utilisant l'ordinateur à côté? Non, à côté, la seule caméra que j'ai, c'est une caméra interne qui me montre le truc, comme je t'ai dit. Je sais même pas comment on y accède, c'est certainement à l'autre bout du monde. Et je peux juste purger le liquide de refroidissement ici. Sauf que pour le purger, ils me disent, panneau défectueux détecté. Risque de surchauffe, stabiliser le système, on peut effectuer la purge. Si on sait que le 3 n'était pas bon. Ou alors je dois juste retirer par rapport aux couleurs de moi. Alors, si je retire le 2-1, j'essaie un truc. Si c'est par rapport aux couleurs et trucs des lignes. Cluster integrity, critical. Shutting down modules. C'est pas ça. 2-1, non. Pourquoi? Parce que la colonne 1 est bonne en fait. Comment je le sais? C'est bleu en dessous là. Mais. Là, c'est bleu. Tu la vois bleu là? Là, je la vois rouge cette fois-ci. Mais là c'est la ligne bleu. 1 qui est bonne, de ce que je comprends. Ah, c'est par rapport admettons, à toi, en fait. J'en sais rien si c'est par rapport à moi, mais admettons que ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que là, ma ligne 1 à moi, toute la ligne 1 est bonne. Toute? Bah oui, si c'est bleu. Ça veut dire qu'il n'y en a aucun à retirer. Donc faut que je fasse par rapport à toi. Bah, donc nos couleurs sont juste inversées, c'est tout? Le problème, c'est que on revient au même en fait en termes de soucis. C'est que si ma vision compte, comment je fais pour voir les autres lignes, les colonnes, je peux les voir. Mais moi, en fait, je si c'est inversé. En fait, là, le problème, c'est que c'est tout inversé. Bah non, parce qu'on a eu la même chose la dernière Attends, fois. Attends, 1, 2, 3, c'est quelle couleur? C'est rouge pour toi? 1, 2, 3, c'est rouge en colonne. Ok. Les 4 après, c'est bleu. Non, là le 6 est rouge. Ouais, pour moi aussi le 6 est rouge. Je sais pas en fait, tu vois. Bah, à part là, que s'il faut entrer dans le. Putain, on est con. Non, mais je sais. Non, mais on est con. On va remettre la caméra. Je crois que j'ai compris. Allô ? Je vais remettre la caméra. Première étape. C'est sûr. En fait, c'est simple. Vraiment, tu vas voir. Il y a un minuteur que... aussi au-dessus, c'est normal? Oui, non, mais tu vas voir, c'est normal. Tu vas comprendre que c'est très simple. Prépare-toi à aller dans l'eau. Prépare à aller dans l'eau? Mais par où? Par l'eau, par le chemin que je t'ai montré. Ah, le truc qui nous tue avant. Tu me dis quand t'es prêt à aller dedans. Je vois rien, attends. Elle. Ouais, je suis à la limite, ouais. Voilà, j'ouvre cette plaque-là. Maintenant, tu peux aller dedans. Aussi simple que ça. Ah bon? C'est le poison qui... Mais non, le poison nous tue quand même, non? Bah oui, qu'est-ce que tu me racontes? Quand même? Mais alors ça sert à quoi ce minuteur? Il doit bien servir à quelque chose. Mais je ne sais pas. Je pensais que ça te servait justement à aller dans l'eau. Le fluide de refroidissement, je suis censé le purger, mais on ne peut le purger que si, justement, on a déjà fait le reste, en fait. Comment tu vois les trucs de l'autre côté? Je capte pas.
C'est juste. Peut-être qu'on est juste con, hein, je sais pas. Ah, mais on est probablement con. Là, la ligne 1 est bonne. Là, les colonnes pour moi. Sont toutes rouges. Ah, d'accord. Toutes les colonnes sont rouges pour moi. Tout est rouge pour toi ? Ouais, pour toutes les la première ligne ? Pour la première ligne, bah, moi, j'ai que la première qui est rouge. On est d'accord qu'on parle de la même chose, Lâche. Hein. Quand je te parle de ligne, c'est le point bleu de la ligne 1, pas la... La bleue de la ligne 1. La ligne. Elle est tout à droite, tout à gauche, pardon. Le point bleu tout à gauche. C'est une ligne, d'accord ? Ouais. Et voilà. Ah oui, pardon. Lignes, pour moi, la ligne, elle est rouge. Voilà, bon, moi, la ligne est bleue. Ça part déjà mal. Et toutes les colonnes sont rouges. Sauf la 1 pour moi qui est rouge. Est-ce que du coup faut faire un mélange comme dit quand même? Mais un mélange comment? Parce que là il y a l'exemple du truc quantique, mais que je ne comprends pas en fait. Ça. Illustration du phénomène quantique. Ah bon? Et bon, qu'est-ce que ça nous illustre? Moi je comprends rien. Et ben quand c'est rouge et que ça, c'est bleu ou blanc. Et eh ben rouge mange le blanc. Quoi? Donc si c'est blanc, c'est quand même rouge. Non, c'est pas ça? J'ai rien compris. Est-ce que ça veut dire que si par exemple un de nous deux voit forcément blanc, enfin ou bleu du moins, c'est bon, mais si c'est s'il y en a un de nous deux qui voit que c'est rouge, c'est que c'est forcément rouge? J'ai pas compris très trop le mot de ce que tu viens de me dire. En gros, admettons, la colonne 1 ou la colonne 2, elle est rouge pour toi. Elle est bleue. Bon, elle est bleue. Et pour moi, elle est rouge. Ça veut dire que si, on, si je suis ce que ce schéma dit, elle est forcément rouge. D'accord. Parce que le rouge prend le place. J'en sais rien. Et... Ah, ce qui veut dire qu'il faudrait que j'enlève le 2. Oui. Peut-être. Mais du coup, moi, ça veut dire que toute la première machine est forcément rouge, donc je sais pas. Hein. On va faire au pire. Il se passe rien d'intelligent dans nos têtes. Ou alors... On n'a pas une illumination qui vient. Ou alors, il faut qu'on trouve ceux où on s'accorde que c'est rouge pour nous deux. Si le rouge emporte toujours sur le blanc. Ah, j'ai une question. Oui. Non, attends. Je peux pas monter sur le truc quand tu récupères le panneau de du refroidissement. Alors, je veux bien qu'on essaie, mais alors ça m'étonnerait beaucoup. Écoutez, j'ai pas repris le truc quantique. Bah les couilles. Il nous apporte rien. Oh putain, mais si, t'as raison! C'est intelligent! Montez! Oh putain! Ah, on a galéré! Ok, ok. Ah, et du coup, je peux voir les lignes! Oh, bleu! 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 Mais par contre, tu. Voilà, bleu, rouge, rouge à 4, bleu 5. Tu voudrais pas le noter quelque part? On a un truc de notes intégré au jeu. Ah, mais tu peux voir mes notes? J'en sais rien, je peux, peut-être pas. C'est où qu'on. C'est où les notes journal une, voilà, machin personnel. Alors. Ah, donc 1, ligne 1, attends. Ligne. Ou alors tu mets 1, 2 trucs, non? Ah, tu veux dire genre 1. Oui, mais je peux pas sauter des. Ah, si, je peux sauter des. Attends, il y a combien de trucs? 9? 12. 12 lignes de 9. 12 lignes de 9 panneaux. On est vraiment débile. Hein.
Voilà à peu près ce que ça. Est-ce que tu vois quasiment ce que plus d'une minute trente, dépêche-toi. Est-ce que tu vois ce que j'ai écrit ou pas? Non. Ah, bon, c'est que pour toi. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, 1, bleu, 2, bleu, 3, bleu. Ok, quatre, bah, mets bleu pour les 3 premiers déjà. Ouais. Je mets juste B si tu veux pour gagner du temps. Ok, c'est bon. Ok. 5 bleus. 6 rouges. 7 rouges. Attends. De 6 à. Vas-y, continue, avance. 8. 9. Jusqu'à 9, c'est rouge. Ok. Vas-y. 10 bleus. Ok. 11 et 12 rouges. Ok. C'est bon, je reviens en arrière. Mais vas-y, reviens. C'est combien qu'il nous reste de temps là? 36 secondes. Ah! Tu me bloques. Hop, vas-y. Il est bon, t'inquiète, on a le temps. 22 secondes. Ok, bon, maintenant je prends des notes sur ce qui est en dessous. Bien! Quel enfer! Ok! Donc maintenant, va falloir que moi je note. Et c'est tout le tout rouge. Alors, je vais noter par ligne moi aussi. Ok, donc oui. J'aurais dû faire le contraire d'ailleurs, maintenant je pense. Dans l'ordre, c'est pas grave. Alors, 1, 2 et 3 rouges. 1, ok. 4 bleus. Bleu. 5 et 6 rouges. 7, 8 et 9 bleus. Ok. 10 rouges. Puis bleu bleu. Non merde, bleu bleu. Je vais y mettre. Bleu bleu. Ok. J'ai noté pour les colonnes. Maintenant, est-ce que faut noter pour les lignes quand même? Bah oui. En fait, ce que j'essaye par contre de comprendre, c'est ce que tu viens de me dire là. Attends. Un rouge et le reste est tout bleu. Ah non, c'est jusqu'à 8. J'ai dit 9, mais non. Jusqu'à 8. De 1 à 8. Je chauffe le premier. Je vais re-hacker ça aussi. Computer task completed. Alors, il n'y a que un qui est rouge, tout le reste c'est bleu. Computer task completed. Ok. Bon, maintenant qu'on sait ça. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, il faut qu'on comprenne comment fonctionne le mélange de nos deux couleurs. Parce que le fait est que tu me dises ouais mais ça c'est la règle quantique je sais pas quoi. Mais sauf que peut-être qu'il faut faire en fait comme pour la première ligne, identifier celui qu'on a en commun, non? Donc ce serait uniquement ceux qu'on a en commun qui sont qu'on doit prendre en compte. J'en ai absolument aucune idée, c'est juste une théorie. Parce qu'au final, là le problème sauf c'est que si je prends en compte ce qui est affiché sur ce visuel là. C'est complètement con de prendre forcément le rouge en compte. Ah,
Alors c'est quoi qu'il faut la tester? Bah... Moi, de toute façon, là, sur la première ligne, tout est censé être... Si, je pensais ça. Hein. Faut identifier ceux qui sont rouges, qui sont vraiment rouges. Parce que maintenant, on se regarde dans les panneaux. Quand tu vois, ils montrent un panneau qui est rouge pour le 3, donc dans les deux cas. Je sais pas si, c'est... si ça fait sens. Pour le 3, dans les deux cas. Dans l'exemple de truc de maintenant. Les panneaux, quand il parle des panneaux quantiques. Oui, donc il faut que ça soit rouge autant là que là. Pour nous deux. Ou que pour un. C'est ça, je comprends pas quelle couleur il faut prendre en compte en fait. Les tiennes? Est-ce qu'il faut prendre que les miennes? Est-ce qu'il faut prendre les nôtres? Mais ça m'étonnerait que ça soit que les tiennes. Pour la simple et bonne raison que ça n'aura aucun intérêt que bah je monte sur le truc pour regarder. Donc, est-ce que c'est un mélange de nos deux ou c'est que le mien? Ouais. Ça nous aide. Le fait est qu'en plus, à la fin, ils disent ce phénomène se produit à cause des dispositifs de filtration de la lumière, casque, visière, etc. Par rapport à notre inventaire, j'ai forcément un casque. Oui, mais on a tous les deux un casque. Donc, casque, lumière, etc. Non, visière. Ouais. Je ne sais pas. De moi, façon, si je dois faire confiance qu'à mes trucs, je sais quoi faire, mais si je dois faire confiance... Non, mais comme dire, c'est forcément soit mes trucs, soit nos trucs ensemble. Alors attends, toi, la première ligne, elle est, c'est, t'as dit que c'était bleu. Moi, c'est forcément bleu, la première ligne. Ok, et tout est rouge, à part le premier pour toi, c'est ça? Non. Attends. Pour les colonnes? Non, oui, pour les colonnes. Les colonnes, tout est rouge. Tout est rouge. Il y a rien. Tout est rouge. Sauf là, pour moi, c'est tout est bleu, sauf la première. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est forcément la 1-1 qu'il faut faire? Mais non, parce que moi, c'est bleu. La 1-1 est bleu sur rouge. Est-ce que du coup, on prend en compte le fameux truc de le rouge l'emporte? Ok. Ce qui voudrait dire qu'il faut qu'on voit. Donc le premier de la niveau des colonnes, le premier qui est rouge pour moi serait le bon. Maintenant, faut trouver sur quelle ligne. Le rouge est bon pour toi. Bah de toute façon, moi aussi le rouge est bon pour moi. Non mais le 1, je veux dire. Oui. Du coup, c'est les deux. On a tous les deux le 1 en commun de rouge dans le niveau des colonnes. Le tien 4, il est rouge ou pas? Au niveau des lignes ou des colonnes? Lignes. Non, il est bleu. 6. 6. Il est rouge. Eh ben moi, 6 rouge, 1 rouge. 6-1. Ah, pour 6, moi, 1. C'est du rouge. Et c'est en 6-1. Et c'est en 6-1. Allez. Ah, c'était ça. Elle le dit. Donc la dernière fois en plus elle disait non mais c'est pas bon et l'autre non mais je vais le jeter quand même. Vas-y, mais je peux pas les replacer en fait, c'est surtout ça. Je peux pas les replacer quand ils sont tirés. C'est trop tard. Ah mais par contre on a le droit à un échec. Bon à savoir. Ok, donc ça c'est fait. Est-ce qu'il faut... Est-ce que c'est bon du coup ou alors Non, c'est pas bon, il y en a plusieurs certainement. D'accord. Donc un 6 c'est fait. Okay. Est-ce que c'est toujours rouge ou c'est passé au bleu? La colonne pour moi est toujours rouge, cela dit. La colonne 1 est toujours rouge pour moi. D'accord. Bah, bon, la ligne ou la colonne 1? La colonne. Oui, pour moi aussi, elle est toujours rouge. Ok. 1, 7. Alors, 7, tu me dis 7, 7, 7, 7. 7 j'ai l'impression de jouer à la bataille. Et bleu pour moi. Ok, alors 1 et 8.
8 est bleu. Un 9. 9 est bleu. Un 11. 11. 11 est bleu. Un 11. Un 12. Bleu. J'ai beaucoup de rouge, moi. Bon, ouais, mais du coup, j'ai toujours ma colonne et toujours rouge, donc il s'est bon, pour moi, le 10, c'est rouge. Le 10, c'est rouge, mais moi, il est bleu. On parle toujours de lignes. Hein. Ok. J'ai quoi d'autre en rouge ? C'est forcément une ligne, là. Je... Ok. Ligne 6, c'est en fait, rouge pour moi. 6, c'est 5. Ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'on retire un truc d'une colonne, c'est bon, ou est-ce qu'il y en a plusieurs sur la même colonne, tu vois ? Parce que pour moi, là, la colonne est toujours rouge. Bah, ouais, pour moi aussi. Donc, il y en a un autre que... Ouais, mais ça serait lequel ? T'as... Alors, attends. T'as quoi comme niveau ligne ? T'as quoi en rouge ? En rouge... 4, 6, au 7, niveau des, 8, des 9. Lignes. Oui, oui, c'est ce que je te dis. Alors, 4, 6, 7, 8, 9 ? 9, 11, 12. 4, 6, 7, 8, 9, 12. 11, 12. 11, 12. Ouais. J'ai que 6 qui roule. Ah mais 6 on vient de le retirer. En plus c'est une autre ligne, une autre colonne au pied en attendant. Ok, quelle colonne? Et on voit. La 2, pour moi elle est rouge. Pour moi elle est bleue. Bon la 3 elle est rouge. Tout est rouge moi. Qu'est-ce qui est rouge chez toi dans les colonnes? Dans les colonnes j'ai que la 1. Ah mais attends. Est-ce qu'il faut pas trouver celles qui sont en commun? Bah oui mais du coup là celle qui est en commun il y en a plus. Si on part sur ce principe-là. Mais du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y en a certains que j'ai bon et pas toi ? Et inversement. Bah, là, tu vois, par exemple, tu m'as dit ça. Tu m'as dit, regarde le truc, ça, c'est un principe du quantique, je sais pas quoi, là. Ouais. Avec les deux cercles. On est d'accord que sur les deux cercles, le rouge bouffe quand même le blanc. Oui. Est-ce que du coup... La personne qui a rouge a quand même raison sur la personne qui a blanc. J'imagine. Et le problème c'est que quand on regarde dans le truc quand c'est pas expliqué ça, ils disent juste oh, c'est rouge MDR. C'est tout. Putain je suis perdu. Ouais moi aussi. C'est pas très clair. C'est celle-là j'avoue que. Et tu peux pas faire la purge encore. Je pense pas. Tu veux que j'essaye ? Bah ça risque pas de tout détruire. Non. Ça va juste me dire que je peux pas. Si je peux pas. Starting purge scene. Mais j'ai rien dit, c'est bon. Attends, il y en avait qu'un du coup ? C'est tout ? Tu fous ma gueule là. Est-ce que c'est vraiment juste ça ? Ou alors ça va les remplacer et on va recommencer. C'est tout. Oh bordel de merde. Allez on se casse. Y'avait que ça. Bah apparemment mais... c'est... Y'en avait que un à retirer. Mais ah. Putain mais on s'est fait chier. Mais pour rien. Ah. Ah. I must admit that your behaviors are valuable. But if your intention is to remove me from my duties, I will have to change the rules. I will have to compel you. C'est ça. Comment, pardon? Qu'est-ce que c'est? Cluster quantique 55, c'est fermé. Ah, je peux faire ça. Ah, je peux faire l'autre aussi. Ah, je peux faire ça aussi. T'es prête? Vas-y. Attends, ça c'est porte et ça c'est écrit quoi? Nettoyeur central. Oui, nettoyeur central. Oui, pardon. Ah, bah attends. Ok, porte, nettoyeur central. On va faire nettoyeur central? Ah, mais protection. Ça va faire quoi, le nettoyeur central ? Attends, faisons porte. Faisons les portes. Ouais. Are you sure you want to proceed? Bah, plutôt, oui. Et je sens qu'elle va essayer de nous la mettre à l'envers. Ah, mais en fait, c'est protection. En fait, c'est juste. C'est une fois, en fait. Il n'y a pas besoin de maintenir le reste. Porte, si. Bah, voilà, en fait, t'as pas besoin de maintenir. Si. Ça, si. Là, c'est activé, c'est désactivé. Je sais pas trop, hein, là. Munition. Prends tout. Elle va nous envoyer plein de trucs à la gueule, tout ça. Ah, inventaire complet. Ah!
Le 9 mm, je peux pas le prendre. Bah, j'ai déjà plein, puis laisse-les, j'ai déjà tellement de munitions. Ok, tu peux pirater ça? Diagnostiquer l'état de la sécurité, pirater les protocoles. Gag. Algorithme autonome détecté. Porte verrouillée par un programme inconnu. Nombre total d'intrusions dans le réseau, 11 000. Oh, ça fait beaucoup. Pirater les protocoles. Oh. It won't change your bad habits. Now, I will perform only two functions. Surveil and punish. Ok. Oui, mais encore. Mon scanner pour les marquer en fait. Je... Oui, ça serait plus simple parce que j'ai un peu de mal à les voir. La musique. Ah, j'avoue que la musique ici est. Le piratage s'est arrêté. Ah, ah c'est pas toi, là. Aïe. Attention à ta vie quand même. J'ai le truc. Dans ton inventaire, tu peux te reprendre une recharge de toute façon. Oui, j'en ai pourtant des recharges médicales. Et ben là. Tu double cliques dessus. Ça veut pas. Et après, tu dois refaire F comme d'hab. Oui, mais c'est ce que je fais. En dehors de l'inventaire. Mais... Pourtant, j'en avais un dans mon. Bon, c'est pas grave. T'inquiète. Je vais remettre des munitions normales là-dedans. Bon, t'as le truc, c'est bien. Attends. Arrête de bouger. Je vais reprendre les munitions que t'as de 9 mm. Hop. Hop. T'as quoi d'autre? Je crois que je les ai tout pris. Ça m'a utilisé beaucoup. Hein. Bah là, oui. Ok. Je suis prêt. En même temps, t'as vu le nombre de trucs qui nous est arrivé dans la gueule, quoi. C'est bien, ça m'avait manqué un peu. Bah, bon. C'est vrai qu'on n'a pas non plus 3 milliards de phases d'action, parce que ça reste quand même un truc de... Ok. On a où? Je sais pas. Là, c'est là. Orange. Là, c'est ouvert. Ah bah c'est ça, la fameuse porte, en fait. Get tired. I can go on and on.
peux s'ouvrir. Ah, tiens, ça ici. Truc de soin, je vais le prendre aussi, comme ça j'ai rangé un peu de tout. Ouais. Ah, ah. C'était instantané. Oh là là. C'était très drôle. Ok. Ça va ma peluche? Je peux pas prendre le truc de soin, j'ai plus de place. Le truc de soin là sur le côté. Ok. Fais attention. Je suis pas sûr de comprendre. Elle est là. Elle est là. Je peux m'en occuper. Vas-y, vas-y. Qu'il n'y en ait pas d'autres. J'utilise mon scanner. À la première vue. Oh, là-bas. Ouh. Oh, oh. Je regarde aussi au plafond, des fois qu'il nous refait un piège. Bon, c'est surtout des chiens. Pose ton truc, je pense. Qui ça? Derrière nous. Dedans et du coup je veux pas démarrer tant qu'il y a ça dedans. Ah mais là dedans mais on est cool. Oh là là, il y a une boîte faite pour. Ouais. Vas-y. Et ben voilà. Ah c'est le matin. Je suis cool, moi, hein. On a une. Je suis malade. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive, Vayne? Tu chies d'abord. Oh bordel de merde. On aura vraiment mes galeries pour rien, hein, vraiment. Hein. Ce qui veut dire qu'en fait, quand au moment on avait trouvé le truc, le bon truc, en fait, on aurait juste à plonger, on aurait gagné en fait. Et mais on n'avait pas trouvé le bon truc. Avant, on n'avait pas vraiment pas. Non, parce qu'on avait le droit à un faux pas, parce qu'il nous avait dit « Ah, truc mûche, c'est pas le machin, bon, il était en... Ah oui, mais je le mets quand même, je peux pas en faire autre chose. » Après, on en fait un deuxième, critique. Bah oui. Bah oui, non, mais un peu con aussi. En même temps, c'était pas simple de comprendre. Non, c'était pas simple. Déjà, fallait trouver le fait que je puisse monter sur la plaque. Je suis désolé, c'était parce qu'il y avait de plus. Bah oui, c'est pour ça qu'il disait avant de monter sur la plaque, assurez-vous d'avoir des bottes de protection. Et nous, on n'a pas capté. Nous, on n'a pas fait le rapprochement. Hein. La phrase monter sur la plaque, on l'a pas pris en compte. Tu sais que tu peux ranger ton arme maintenant. On sait jamais. D'accord. C'est une saleté, elle est capable de nous envoyer d'autres trucs à la gueule. Qu'est-ce que ça va pas la tête? Ils
sont précieux. Ah, attention, il y a des nouvelles cibles. Oui, récupère quand même ton truc pour le rapprocher. Pardon, oui. Allez, on se casse sans. Ben, je me travaille avec un rhume et avec une petite gastro. Oui, je fais pas comme tout le monde. Moi, je peux pas avoir une maladie à la fois. Il m'en faut trois. Ben, mon pauvre. Allez. J'ai tout, je les ai tous sur à ta place. je commence à manquer de munitions. J'ai un tout petit peu plus qu'un chargeur et c'est tout. Alors, un petit signe. Faut qu'on revienne en haut. Maintenant, c'est indisponible. Ah bon ? Comment ça ? Bah, ici alors ? Bah, mais on en vient. Mmh. Attends, j'ai pas un truc que je peux pirater quelque part ? Si, là. Réacteur, système hydraulique. Ah bah là. Oui, c'est là qu'on doit aller. Bonjour. Forcer l'entrée. Bah voilà. Tout simplement. Oui, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Computer task interrupted. Ah, comment ça ? C'est. Non, mais des fois, il bug. Computer task completed. Ah. On va falloir. Non, pas ça. Non, ça va. Oh, on peut pas. Quoi ? Non. Passer le hub sans déclencher l'air de drone. Mais. Non. Après, l'avantage d'avoir trois trucs, c'est qu'ils se battent entre eux et je suis pas fatigué, c'est déjà ça de gagner. Que normalement, quand je suis malade, je suis une épave. C'est déjà ça. Ah, faut qu'on repasse par là, enfin rien. Non, on avait tout débloqué. Je suis le dégoût. Oh, va falloir que je. Oh non, ça va me souffler encore. On est. Tu maintiennes la porte et tout. Mais attends, comment tu vas maintenir la porte d'ailleurs ? Bah comme ouais, la dernière fois. C'est une question de timing en fait, oui, comme d'hab. C'est de la merde, oui. Je suis prêt, c'est bon. J'ai raté. Quel enfer. Attends, non, celui-là je le sens pas. Bordel. Alphonse. On peut pas passer là où t'es. Non, y'a rien, c'est fermé. Enfin, je passe en premier. Vas-y. Mais c'est pas là, si, c'est là. Ça, c'est le truc radiation. Ah oui, donc. Bon, j'ai failli me faire machiner. Mais non, tu vas où ? C'était pas fini. C'était en face à Brutéi. Je vois partir du restaurant. Allez, ton réacteur suicide. Oh non. Oh. Attends. Merde. C'est bon, j'ai. Non, on a activé le. C'est où déjà ? Je suis perdu. Là ! Ah non, c'est un drone. Ah ! Ah ! Tu me vois se balader. Vas-y. C'est toi la soldat qui détruit tout, hein, je dis ça comme ça. Oui, ben la soldat. Computer task interrupted. Oh, voilà ce que doit faire la soldat. Elle doit redémarrer un vieux PC de merde avec Windows 98 dessus, là. Non, pardon, Windows 98, ça va encore. Sur Windows Vista. XP, ça allait, tu déconnes. Où est le réacteur ? Je l'ai posé au pif comme ça. Là. Allez.
va y arriver, on va y arriver. J'ai une de ces envies de pisse. J'ai voulu aller trop vite. J'aime pas ce jeu, mais ça a l'air d'être galère. C'est galère, mais en vrai, c'est très bien. C'est un super jeu. C'est très bien, mais bon, il y a des phases, c'était pas obligé, quoi. Oui, flemme. Allez, c'est bon. Ça vient 5 minutes. F comme fuck. Bah. Computer task interrupted. Oh, vous me faites chier. Computer task completed. Bon, je me précipite pas. Pas trop. Pourquoi ça pouvait pas juste rester ouvert en fait? Moi je vois rien. Oh ma lampe. Je suis prêt. J'ai raté. Je suis pas en premier. Ouais. C'était très juste aussi, je suis allé. Peut-être. C'est juste en face, non, c'est après. Oui, c'est en face. Non, c'est en face. C'est en face. Oh, peut-être qu'elle est gentille, elle nous a remis un truc, t'sais. Alors, dans le doute... Je suis tout le monde. Pas. Il y a une mine ici, normalement, mais il n'y en a pas, là. Donc, okay. C'est bon. Alors, attends. Avant qu'on continue, si ça te dérange pas... Rapide escabio, parce que là, vraiment, faut que j'y aille. Je reviens. Enfer. Remettre. Oh, j'ai déjà utilisé autant de munitions que ça. C'est CTRL pour tout déplacer d'un coup. Voilà, c'est mieux. J'essaie d'utiliser un peu plus le pompe par contre, parce que sinon, à vitesse où. J'utilise mes munitions 7.62 par rendu. Ah, du coup, ça a complètement viré toutes mes notes personnelles. Bon, c'est pas grave. Heureusement qu'on n'est pas mort pendant l'autre truc, parce que sinon, on aurait dû tout refaire. Je l'ai déjà machiné celle-là, il me semble.
Ah, bah je la re-repirate. Mais du coup, on en a que deux là de supercondensateurs. Il nous en manquerait encore un. À moins que on le trouve. Je sais pas. Non, il nous en manquerait encore un. Donc, ça veut dire qu'il va falloir encore revenir en arrière pour aller en chercher un autre. Waouh, ma mâchoire vient de craquer, elle fait mal. Non. Ouais. Oh putain, j'ai pris plus de temps vu qu'on m'arrête pour me parler de trucs qui ne m'intéressent absolument pas et qu'on s'en bat les couilles. Mais quel enfer, n'a pas le temps Que pour j'ai ça. utilisé l'ancien téléphone de ma mère. Oh, mais j'ai vu, t'as plus de 2000 emails, tu les supprimes jamais. Je me dis, mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Vraiment? Il y a toujours là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi ça là? Un tuyau. Attends. Ah, c'est un tuyau, c'est pas une larve, hein? Non, c'est un tuyau. D'accord, on va savoir si c'est un tuyau. Voilà, je trouvais ça dégueu, alors je suis commencé à m'inquiéter. Oui, vous avez Du dit coup, la quelque chose? première fois, on a détecté aucun système d'alarme, et du coup, bah maintenant, on doit faire avec le système d'alarme. C'est pas grave, tant pis. Attends, est-ce que ça a rechargé les munitions qu'il y a là-dedans? Non, ce serait trop beau, hein. Ce serait bien. Ce serait bien. Where did they go? Right? I applied the simplest thing in your world. Corruption. They all accepted. They said yes. It took me a few minutes to introduce my new functions. Today they thank me. If only he knew how easy it is. But you guys are tougher. You seem stubborn. Which makes you even more fascinating. Ah ça. Mais ouais, on têtu, est on est très têtu. Je suis breton, moi. Déjà, je suis français. De ce moment, je suis breton. Alors, imaginez. Comment te dire là? Il va falloir refaire la clé de chiffres. Non. Ah. Attends. Moi, je descends en attendant. Ah. Hein. Oui, faites donc ça. RK. Attention, mesdames et messieurs. Le verrou NUM est bien activé. 17 XA-515. Voilà! Ok, Je donc suis la plus forte. Si je me souviens bien, va falloir que j'entre, que je pose le truc et que je retourne dans le sas. Enfin, va falloir que tu Allez. m'ouvres vif, hein, vive. 1, 2, 3. Vive. Vite! Un sas. Vite. Vigilance, comment ça? Ah, mais c'est mon énergie qui est en. On fait le sas 1. Voilà. Ça c'est. Je peux pas. Ah mais c'est pas. C'est pas. Snack. Ah! C'est une blague! Comment voulez-vous que je fasse ça? Mais je vais pas pouvoir faire ça. En fait, le truc est toujours en route. Là, tu peux pas l'arrêter? J'ai pris tarif flash. Je peux pas arrêter. Il va falloir que je cours, sérieux? Ben,
Aucune chance que j'y arrive. Il n'y a pas de sens en fait. Ça met dans la centrifugeuse. Bah oui. À moins que je dois passer de sas en sas. Bah probablement oui, pour te laisser le temps. Bah oui. Là je réfléchis, je trouve un sas. Sas 2. Là je trouve le sas 2. Mais il faut déjà que tu ouvres le sas 1, je crois, non? Attends, ça, non, si tu fais sas 2, ça va enlever le sas 1, donc ça va ouvrir, non? Essaye sas 2, là. Je me prépare à accueillir les autres, parce que... Tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. Ah non, sas 1, on va déjà m'ouvrir. Il va falloir que tu fasses le sas 2 au bon timing. J'attends que je te tue. Ouais, c'est ça. Mais putain, mais crève! Non! Bon, t'es prêt? Tu me dis quand t'es prête à faire le 16. Ok. T'es prête? Oui, tu me Maintenant. Dis. Maintenant. Ok. Tu me dis quand t'es prête pour le SAS 3. Reste dans le sas pour moi, je sais pas si là. Attends, je vais me remettre de l'énergie aussi. Ça j'ai pas. Ok, le 2-3, c'est ça? Ouais. Encore. Maintenant. Après, tu me dis quand t'es pas prêt, 4. Maintenant. Oh, c'était juste. Ok. Ça 5. Tu me dis quand t'es prête. Ouais. Maintenant. Maintenant ça 5. Tu me dis quand t'es prête. Tu me dis que tu seras prête. Ah pardon, j'avais pas compris que t'étais prête. Attends. Je suis prête. Maintenant. Ok, je peux refermer le sassin pour voir. Je vais vérifier quand même que chaque sassin n'est pas des... Du coup, t'as réussi à le poser, c'est bon? Oui, c'est bon, je l'ai posé. Ok. Tu sais qu'il nous en faut 3 en coup. Hein. Oui, je sais. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on y retourne. Oui. Plus envie. Non, j'ai gâte. Ok. Donc, nouvelle entrée de journal qui disait. Il va falloir trouver un autre. La menace que c'est de substituer aux exécutables des implants neuronaux. Elle peut aussi utiliser ses fonctions. Si vous possédez un implant neuronal, isolez-le immédiatement avant d'aller plus loin. Le personnel semble avoir été corrompu via les implants. Nous ne savons pas où ils sont. Nous dirigeons vers les laboratoires Terra. Ok. Bon bah. On est parti pour un tour. Il y a de l'énergie ici. Ah oui. Oui. Vas-y, vas-y. Je te laisse en prendre. Non, moi je suis. J'en prends. Je me remets à 100%. Oh putain. Many would have given up by now. Why are you trying so hard? Is it for you? Mais non, they just paying you for it. Aussi. Because I can offer you much more. Ah bon? Des femmes? Des femmes, des hommes. Ah, oula, oula, oula. Ah bah. Corrompu par un assistant. Bah ils nous sont arrivés dessus et bah ils m'ont corrompu la gueule. Ça va, ça a considéré que les deux étaient faits. Ouais.
Oui, j'ai pas envie de recommencer. C'est vraiment le oui de... Ok, bon, je recule. Ah, je recule. Je vais remettre de l'énergie. Peut-être je peux les désactiver, sinon on peut essayer de leur tirer dessus ou de les désactiver. Je veux bien essayer de leur tirer dessus, moi. Ou alors, là, d'avance, on peut... Non, je pense pas. Pas d'avance. Essayons, hein. Ok, lumière. Je recule. Je recule aussi. Par contre, j'ai... Ah, on peut pas. Non, j'ai pas esquivé. Ça a ouvert la porte quand même après quand ils sont activés? Non. Je pense qu'il faut qu'on s'en débarrasse. Je vais essayer avec le truc qui les électrocute à la place. Je veux bien essayer avec vous, avec mon stinger, moi. Pas tout compris. Warning, incomplete retroaction loop. Please. Ta gueule. Attendez, je mets le bon. Voilà. Je me remets de l'énergie parce que j'en ai besoin. Pinaise. Ouh, deux pour prix d'un. Et du coup j'ai plus d'énergie. Ah ouais, c'est bon. Ah ok. Il fallait bien quand même qu'on s'en... Moi je pouvais rien faire. J'en ai marre de toi. Le pire c'est que je le vois avancer dans le couloir et je fais oublie pas là, tu sais, dans ma tête. Le pire c'est que je le dis dans ma tête, je fais, oublie pas le truc, et puis après je me dis je vais lui dire quand même. totalement oublié. Ah, fatigue. On s'en sort de ce putain d'endroit. Tout ça pour crever à cause de cette vieille mine restée en plan. Warning, incomplete retroaction. En fait, je pense que je peux désactiver, c'est juste que j'ai jamais été assez proche. Mais bah là, t'étais vachement trop proche. Attends, j'ai besoin d'énergie. Non, je pensais que j'allais faire les deux. Oh. Ça sert à rien. Les petits coups d'électrocute. Son machin, j'imagine. Ça, c'est typiquement les petits trucs de farce et attrape. J'ai une petite chatte. Prends-moi, je suis une gomme, la poubelle. Je suis fatiguée. Warning, incomplete retroaction loop. Please correct. Network failure. Backup power system starting. Please wait. Hey, need a hand. Cours le temps que je... Bon, attention. Oui, je sais. Est-ce que je peux essayer de la désactiver? Moi, je longe juste le mur. J'ai sursauté. Ok, bon, on va abandonner l'idée. On a longé jusqu'à présent. Qui ne tente rien à rien. Ah oui, bah là ça fait plusieurs fois qu'on tente. Incomplete retroaction. Vraiment nul en fait. On galère pendant 20 ans au même endroit. Need a hand.
Dans le doute, je reprends l'électricité au cas où il y a d'autres poubelles qui nous attendent. C'est même pas des poubelles, c'est même... Oh oui, en plus c'est le cas. Attends, il y en a encore une. Ah, des putes. C'est ça, le prix. Laisser cette porte ouverte par pitié. Non. Ah, ici. Terra, c'est Terra. Là, lui. J'ai plus d'énergie, lâche. J'ai plus d'énergie. Ouvre la porte, passe. Je peux pas recharger. Ah, les poubelles tueuses. C'est flippant pour rien. Vite, de l'énergie. De l'énergie. Ah, de l'énergie. De l'énergie. De l'énergie. Oh putain. Lampe. Et là, c'est plein de poubelles. Oh non! T'imagines un film d'horreur avec des poubelles tueuses? Ça pourrait être tellement. Ok. Bon, maintenant tu sauras qu'il faut y mettre là-dedans. Oui! Ok. Ah, je vais encore. Eh ouais, on a un parti pour un tour. Alors. B. Alors, 0-0. 12. Ouh, je suis pas sûr. 12-12. 3-1. 6-8. C'est pas ça? Bah non, apparemment. J'ai plus de temps là, lâche. 6-8 pourtant. Trop tard, on recommence. Mais si, c'était ça. Ah, j'ai fait 6-8, mais. Allez, on recommence, vas-y. 13-14. 6-9, pardon. 5-15. 9-10. Ouais. Quand même. Très désagréable comme bruit. Oui, c'est bon. C'est bien.
bien, on s'améliore. Jusqu'à la prochaine énigme qu'on ne comprendra pas. Vraiment, mais on est. En fait, c'est pas que les énigmes sont compliquées, c'est juste qu'on est vraiment nul, en fait. On est juste nul. Ouais. Nul. Et pourtant, j'avais pas cette sensation quand on jouait, par exemple, à. Machin. L'autre, là. Mieux. Ouais, voilà. Ouais, mais ce que disaient les développeurs du jeu, c'est qu'ils ont essayé de le faire non, moins simple, un peu moins évident, mais c'est juste c'est de la logique pure, en fait. Ouais. Oh. Inspecteur de la menace bactériologique et chimique. Ah, ah bah. Éthanol, de l'éthanol concentré. Bureau Terra. Ici, c'est les bureaux, mais je peux pas les ouvrir. Plein de gens morts. Labo vestiaire, on va pouvoir aller là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Non, pas vraiment. Pas à première vue. Bah, labo vestiaire. J'arrive. J'ai un œil qui me brûle, qui est très désagréable. Agent antifongique. Venir un truc des toilettes à un moment. Les chiottes vont se rebeller contre nous. J'entends un truc là. Nathan Pérez, inspecteur de la menace bactériologique et chimique. J'entends là, je t'entends ce que j'entends. J'entends. Il y en a un qui essaye de vomir, il n'y arrive pas. C'est un zombie de The Last of Us. En fait. Je pense partie des zombies les plus effrayants pour moi. D'ailleurs, dans les trucs de zombies. Bah, techniquement, en vrai, je pense que c'est un des pires zombies. Et c'est un qui ferait le plus de sens niveau possibilité que ça arrive. Pourquoi mon pouls est. Mon CO2. Taux de saturation d'oxygène. On est en train de canner de l'oxygène, là. On canne de l'oxygène. Oh, c'est dégueulasse. Ah, oui. Ah, ici, c'est mieux. Bah, c'est parce qu'il y a énormément de peut-être de CO2 à cause des cadavres qui pourrissent et tout. Pas de CO2 de. C'est très long à remonter par contre. Oui. De toute façon, il va falloir qu'on y aille. Bah là, c'est mieux. Ah, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est. Je sais pas, c'est déjà. Il y en a plusieurs! On fait bien d'aller au milieu de ces merdouilles là. Il y a une station de recharge d'énergie de l'autre côté. Non, mais c'est de l'autre côté. Moi je propose, ne nous attardons pas au milieu des cocons. On nous éclore à la gueule. Lecteur de badge, oui, alors attendez. Énergie avant toute chose, parce que j'en ai utilisé plein pour les poubelles. Certes. Bah, lecteur de badge. Voilà. Ah! J'aime bien quand les choses s'ouvrent toutes seules. Ah, pas trop non plus, dis donc. Là, tu pourrais passer ton petit cul. Je vais passer mon petit cul, allez. Oh. Ok. Mmh. Ah, je peux diviser un truc. Je peux entrer dans cette... Est-ce que j'ai vraiment envie d'entrer là-dedans? Je ne sais pas. On va voir. Oh, quel enfer des leviers. Attends, il y a un ordi ici. Ok, il n'y a rien de ce côté. Mais non, mais attends. Ah non. Ah non, il n'y a rien de ce côté. Ah, attends. Je vais essayer de... J'ai que un levier. Je vais moi j'ai un ordinateur. Est-ce que je peux le... le pirater? Décontamination peut-être. Ah. Ah, il faut que tu me le... Ne peut pas être ouvert à la main. Ah, il faut que tu me le sortes. Viens ici s'il te plaît. Et je vais pouvoir lancer la décontamination. Ah. Comme ça. Là. Merveilleux. Voyons un peu ce qu'on a. Forcer des verrouillages, calibrer les sondes, diagnostic. Diagnostic déjà?
Évaluation de l'état de la salle de décontamination. Impossible de décontaminer, les sondes sont obstruées. Ah. Note technique. Parfois, la porte se déverrouille pendant la décontamination. Ce n'est pas censé se produire. Le détecteur d'étanchéité fonctionne normalement après la décontamination. Diagnostic des systèmes de décontamination terminé. D'accord, donc la porte peut s'ouvrir des fois. Il faut vider les sondes. Recal. Calibrer les sondes. Recal. Vous êtes sur le point de recalibrer les sondes de mesure de la qualité de l'air. Cela peut engendrer une dépressurisation. Oula, ah donc plus d'air. Ouais. Et après, il y a forcé déverrouillage. U. Essaye. Quoi? Je vais te dire non, je pense. Soin... Attends. Attends, déjà, je dois dire non. Comment ça? Commande non reconnue. Abandon de la recalibration. Oui, bah voilà, c'est ce que je voulais. Donc, moi, ce que je voulais voir, c'est forcer le déverrouillage. La porte est déjà verrouillée. Déverrouillée. Ah, je peux reverrouiller? J'ai un levier. Est-ce que j'active? Ouais, son bon. Ah, et là, je viens de débloquer la décontamination. Ah bon? Je pense. Oh, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aille dedans que tu le lances? C'est peut-être ça, hein. Je pense que c'est ça. Hein. Les sondes sont obstruées. Il va falloir que je recalibre les sondes, de toute façon. Bah ouais. Tu vas prendre... Bon, on va essayer la dépressurisation, on n'a rien à perdre, de toute façon. Et... Ah! Bah je reste à l'intérieur. Ah, bah j'aurais peut-être pas dû, je vais sûrement crever. Calibration des sondes. Oh, je vais mourir. Ah, moi aussi! Computer task interrupted. Ah, mais non! Oh, c'était quoi ça? Je sais pas. Relance. Je... Ah, mais c'est normal en fait, c'est pas exprès. Y'a un juste... robot! Moi, je suis juste en train de courir. Mais non, tu meurs pas. Si tu meurs, je peux pas m'arrêter. On a bientôt fini. Pourquoi je suis resté à l'intérieur comme un connard? Mais moi aussi, je meurs. Ça change rien que tu sois dedans ou dehors. Et... C'est bon, ça va. C'est les chiens, ok. Alors, faut que je vienne avec toi, peut-être. J'en sais rien en vrai. Dans tous les cas, il faut qu'on recalibre le truc. Donc, Bon, faut que je réactive le truc là-bas, de toute façon, je pense. Tu crois? Je sais pas. Ou alors, je l'active pas et tu le fais, vas-y, je sais rien. Tu l'actives, donc je... Admettons. Calme. Oui. Je l'active maintenant. D'accord, ça il veut pas. Lâche. Je suis là. Je vois pas, moi, c'est normal. Si, c'est ça, là. Protège-moi, je pense que pas. A été fermé dedans. J'ai pris tellement cher, j'ai plus de vie. Ok, et du coup maintenant. Tu peux me soigner là? Attends, non, je me soigne manuellement.
Starting decontamination. Voilà. Peut-être qu'on aurait dû aller tous les deux à l'intérieur. Ben non. Faut forcément que j'active un truc. Decontamination complete. Ok. Abort. Unclean air detected. Pas grave, okay. C'était juste pour ouvrir en fin de compte. Ah, on peut pas, on peut pas. Air impropre. Il faut qu'il y en ait un de nous deux qui se fasse réellement décontaminer. Il faut qu'on se fasse décontaminer. Peut-être, si je reste à l'intérieur. Essayons, au pire. Calibrer les sons, lancer Diag. Ok. Je peux pas pirater depuis ici. Non, mais au pire, ouais, peut-être ça... que moi je reste à l'intérieur. Ah, mais non, toi tu dois aller. Parce que c'est moi qui active la décontamination. Non? C'est toi qui l'active? Bah, le levier. Oui, mais il y a deux trucs de levier en fait, je comprends pas. Je sais qu'on pas. Soit tous les deux dedans en fait. Attends. Reste à l'intérieur, on essaie. On va essayer. Starting decontamination. Decontamination complete. Là, je peux les activer, mais il faut que tu sois là. J'arrive. Abort. Unclean air detected. Ouais, mais tu vois, ça revient au même. Et toi, tu peux pas lancer la décontamination? Bah non, pas de l'intérieur. Depuis le terminal? Bah non. En fait, il faut qu'on soit tous les deux à l'intérieur quand ça décontamine, c'est ça que je comprends pas. Comment t'es censé faire? Je peux forcer le déverrouillage, c'est ça aussi que je comprends. Bah, essaye. Porte déjà déverrouillée. Oui, mais c'est déjà fait! Ah bon? Mhm. Pas sûr de tout comprendre. Non, moi non plus. Je peux rien faire de plus en fait. Là. Ah, je peux me faufiler là, non? J'avais l'option, j'étais en mode. Ah, je peux le faire, hein. C'est dommage que le courant soit coupé. Ah! T'as une coupeur de quoi? Je comprends, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est très cool. If you're wondering, audio, we have no idea what we're supposed to do. We're just lost. Ça, c'est fermé. Decontamination complete. Pas sûr de... Abort. Unclean air detected. Non, il faut que je refais. Me fasse... Non, non, refais. J'ai une idée. La décontamination. Tu refais, tu reviens vers moi rapidement. Ok. Vas-y. Starting decontamination. Ah bah oui, non, ok, je vois ce que tu veux faire. Vas-y. C'est bien. Ah, j'avais une autre. Oh. Bah c'est un peu tard du coup. Decontamination complete. C'est bon, je l'ai fait pile à temps. Ok. Ah, oh. Quoi, rien du tout. Je prends de quoi me défendre. Parce que je sens que tu vas en avoir besoin. Oh. Il y a encore ces concombres morts. C'est quoi ça? Lâche, attention. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai utilisé le Stinger en dessous de 35%. Merde. Je me recharge. Si tu veux, je peux essayer avec mon... Je peux rien y faire. Recule. C'est pour essayer. Downloading new functions. Downloading new function. Non, bah non. Waouh. Je vais essayer avec mon truc, du coup. Hein. Comment ça? How dare. I've been impregnated by robots audio. Ah, je peux pas?
quoi. Je tire dessus, c'est moi. Ah, c'est plus simple dit comme ça. Oh ouais. Whoa. Non. Are you happy about it? Not really, because I die. Okay, let's see. Oula. Non autorisé. Ouais. Scanne bien histoire qu'on se fasse pas surprendre. Je scanne. C'est vrai que ça fait du bruit aussi. Wow! Oh! Regarde! When fully exposed to danger, life is wonderful, so cooperative. I see each of these pods as hope. All set by the fruits of your research. They will have only one purpose, to serve my interests. Ah bah oui, évidemment. I have relieved you of a great burden. This time your species has a real reason to be brought to heal for its own good. I count on you to take care of my cups. Très bien. Très bien. La même réaction. Très bien. On peut pas juste tirer dessus, ça les casse, j'imagine que c'est des résistants aux balles. Ça fait quoi de descendre ici? Non autorisé. Ok. Je peux pas descendre ici. Oh, j'ai le hockey mais je rote en même temps. Ah, un truc analysé. Et attention, une mine. Ah, mais il y en a plusieurs même. J'ai pas assez d'électricité, attends. J'ai des trucs dans mon inventaire. Non, mais j'en ai aussi, t'inquiète. Il m'en reste plus que deux, cela dit. Y'a pas un gros truc à électricité qui traîne là? Processing new data block. Une bloc de données. Ah oui. Dites-moi tout, citoyen. Samantha Moore. T'as un patrimoine estimé à 60 millions. Ah non, 60 000, c'est déjà pas mal. Ah! Des munitions peut-être? Oh, des munitions! C'est quoi? Munitions de fusil à pompe, ça? Oh, 9 mm. Oh oui. Heureusement qu'il est désactivé cette mine-là, on n'arrête pas de marcher dessus. Bien. Derrière, il y a des trucs cachés sous l'escalier. Oh, ça sent recharge d'énergie, je me permets. Vas-y, permets-toi. Je prendrai quand elle aura rechargé aussi. C'est alors, moi, c'est juste une... PC de mode développement. PC d'accès, etc. Attends, lâche, recule. Can you do something for my honor, please? Voilà. Mais elle avait l'air gentille, ça se trouve c'était... Non. Il y avait un truc qu'on sortait là, je... Non, dans le doute... Ah bah c'est badge. L'inventaire est complet. Tiens, prends le badge. J'ai pris le badge. Ok, il y a deux... PC Terra et module de développement. They're bad trash. Trash can. Evil trash can. Peut-être okay. Module de développement avant. Ouais. Oh. Alors, diagnostic des systèmes, redémarrage des systèmes, vérification des ventilations. Diagnostic déjà. Oula! État de la pression. Une vieille technique est en route, comment ça? Pression des modules de vie 58%, il y a des modules dispo et indispo. Je peux redémarrer le système ou vérifier les ventilations. Vérifier les ventilations. Les ventilations. La ventilation va augmenter son débit, êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui, il parlait de gaz qui manquait, je crois, vas-y. Ah! Ah! Okay. Tu vois? Tu vois ce que je vois? Il monte pas là! Attends, on peut fermer la porte? Il va falloir s'en débarrasser. Ok? Et redémarrage des systèmes. Exactly. Exactly, audio. Erreur, la pression des modules est trop faible, impossible de continuer. Ok, si on veut redémarrer le système, il va falloir... They're not spiders, they're technically...
E-Spider? The They're like Laker hacker thing robots? Ouais, il va falloir augmenter la pression du système. Bon, je vais aller voir le PC Terra. Lister les accès. Bureau indisponible, labo indisponible, cryo indisponible, station indisponible. Tout est indisponible en fait. Elle a juste tout fermé dans notre dos, cette saleté. Débloquer tous les accès. Ah bah voilà. Définir le mode de quarantaine. C'est-à-dire. C'est quoi, vrai ou faux? QT. Vrai. Zéro. Les systèmes ont évalué des risques non négligeables. La désévaction de la quarantaine peut causer des dysfonctionnalités. Voulez-vous continuer? Oui. Mode quarantaine désactivé. Ok. Ok, débloquer tous les accès. C'est en train de le faire. Ouais. On est en train de tout activer en même temps. On J'aime va tout pas faire ça, péter. Hein. Moi non plus. Computer task completed. Ok, oula, alors attends. T'as, j'ai besoin de... Quoi? Maintenant disponible la maintenance cryo et le hub Terra. D'autres accès nécessitent une intervention manuelle. Ok, et maintenant? Et maintenant, On y va, on va sur tous ces trucs? Ben, j'en sais rien. Bah, déjà, on va faire ça, ouais, je pense. Ce serait un bon début. Tu viens de me tirer dessus ou c'est moi, là? Non. Je crois que si. Des nuisibles, bonjour. La prestation est facturée 3 euros de l'heure. Eh ben. Eh ben. Ok, ça c'est fait. Ah, je l'ai pas vu. Downloading new functions. Tire dessus pour tes secoureurs. J'avais pas vu. Oh! Ah! Downloading new functions. Oups! Foiré. Là. Oh, faut tout refaire. C'est chiant sur 20. Bureau de Madame Moore. Mais en fait, on est allé directement là-bas, mais il y a d'autres trucs. Pourquoi on n'est jamais allé vers là-bas? Mais j'en sais rien, tu me poses de ces questions là. Là. Lecteur de cartes. Bah, c'est peut-être pour ça qu'on n'y est pas allé. Ah, bah ouais, peut-être. Toi, lâche ton cul. Ah bon, d'accord. Ok. On va peut-être pas faire ça maintenant, du coup. Ah, ah, à l'aide. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, mais je l'ai fait en me touchant du corps, ça m'a explosé. Donc faut s'éloigner de ces trucs, faut pas les toucher, apparemment. En dernier. Ouais.
J'en peux plus. Ah, les munitions. Ah bah ça, ça a compté comme si on les avait déjà toujours. Si je les avais déjà toujours. Que... Ouais. Ok. Bah les poubelles. Bah ça me va très bien. Ça m'en fait un peu moins à faire. Bon attendez. You want things that have more than four legs. Yes, exactly. The trash can is not here anymore. That's weird. That's suspicious. The antenne est déjà désactivée. Ah bon? Trash can is sentient. Probably. I mean, there's an evil AI that is trying to kill them. Ah, ça les a quand même compté. Du coup, quoi? Comment ça? J'ai fait un retour Windows, je suis un connard. That's a misclick, sorry. Ah, ça, j'ai pas besoin d'y refaire, c'est déjà fait? Ah bon? Bah tant mieux. Cassons-nous alors. Ce jeu est devenu bien. Oh bah non, là t'es dur là. Mais je déconne, oh ça va! Non, j'ai encore le même problème, attends. Je m'en fous! J'ai le même problème de full screen avec ma souris. Attends. Cette fois. Ah! One second, guys. C'est lequel de trucs qui t'a. Il était près de la porte, mais du coup, peut-être qu'il existe juste plus. Parce que je vois rien. Ah ouais, il est juste plus. Le bruit que ça fait, on dirait un truc qui nous court dessus. Il y a une. Il y a des manquants ici. Bah, rien. Mais juste aux emplacements où il y en a pas. Ah. D'accord. Ah. C'est simple ça. Il nous vraiment. En effet. Donc il va falloir aller ailleurs pour les chercher, je suppose. Ouais. Bon, bah, viens. Là, on peut pas. Va falloir aller là où on voulait, où on était de base, en fin de compte. C'est des chances. Ouais. Attends, c'est quoi? Les petits ont senti des dépôts. J'ai pas l'impression qu'ils nous fassent quoi que ce soit. Là, il y en a un qui... C'est les gros, hein. C'est... Les petits, on s'en fout, c'est... ils sont là pour faire décoration. On va quand même éviter de tout tuer. Il nous faut ce lecteur de cartes. Mais attends, la carte d'accès, c'est pas celle que t'as récupérée? Non. Bah non, non, on l'a déjà utilisée, la précédente. Je sais pas si tu m'entends. Au fond. Je l'ai raté. Merde, j'en ai ouvert d'autres. Bon, c'est pas grave. Je suis pas sûr de comprendre ce qu'on est censé faire. Oh mais attends. Pas désactivé? Non. Mais sauter c'est pas une solution. Je réfléchis. Ah! Il y a un truc sous le sol là. Attends, je peux suivre le câble. Ouais mais c'est là-bas, c'est le terminal hub. Regarde, y'a un truc au sol, lâche! Ouh. Ah, oh! Oh! Tu veux pas qu'on se débarrasse de toutes les poches? Au moins on est tranquille avec ça. Là. Ok. Pas sûr de comprendre ce qu'on doit faire. Mais putain, ça ferme la porte! During quarantine, be sure to follow all assigned procedures. Do not interact with the source of the issue.
If you notice any suspicious activity, contact your manager. A rescue team is on its way. Please wait. Recule encore. Est-ce qu'on peut passer les lasers? Je pense pas. On peut pas passer en dessous non plus. Ça ne fait rien. On peut pas sauter au-dessus, d'accord. Il faut que je retourne. Terminal up terrain là-bas. Ouais, ah ouais, mais il faut que tu y accèdes. Je suis trop lourde pour sauter, je peux pas sauter dans le jeu. Est-ce que c'était sur les ordinateurs de l'autre côté que je devais faire quelque chose? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on aurait loupé un badge? Aucune idée. Bah y'a rien, c'est fermé. Là d'où on vient, on s'en fout. Ou alors c'est un truc avec les bonbonnes de gaz? Non, je pense pas. Y'a pas d'informations au-dessus des bonbonnes. Ça, ça mène quoi? Au laboratoire, mais c'est là, c'est les labos. Bon, attendez. Je vais relire ce que disait le PC. Non, ça, on s'en fout. Ça fait partie certainement des trucs. Lister les accès. J'ai débloqué. J'ai rien débloqué. Bureau indisponible. Tout est en indisponible. Débloquer les accès. Les autres accès ne peuvent être ouverts automatiquement. Veuillez contacter l'équipe en charge du réseau. Définir le mode de quarantaine. Je peux remettre le mode de quarantaine? Non, parce qu'il était déjà activé. Attends, hein. Contact. Échec de l'exécution du mode quarantaine, contacter un technicien. Ouais, du coup, je ne pouvais que le désactiver en fin de compte. Et l'autre ordi? L'autre ordi, c'est pour les. C'est pour gérer les. On peut pas redémarrer les systèmes parce qu'il faut qu'on. On a plus de pression dans les modules. C'est peut-être le truc de la pression des modules. Bah justement, là on l'a augmenté en mettant les trucs au bon endroit, mais il nous en manque. Là on est 83%. C'est bizarre. Il faut que... Non, mais c'est pas une question des bons, c'est une question qu'il faut tous les mettre en fait. On est qu'à 83% de pression. 1, 2, 3. Il n'y a pas un badge qui fait. Un badge, ça. C'est un badge. Ça manque. Il nous en manque deux. Ah, il nous a. Je vais prendre le plus 6. Ça, c'est fermé. Ici, il n'y a pas un truc qui traîne, genre. Oh dear, you're cute! Est-ce qu'on. Question comme ça, est-ce qu'on n'essaierait pas de passer à travers le laser? Ça se trouve, ça nous tue pas. Jusqu'à présent, tous les lasers nous tuaient. Donc... Bah ouais, mais je vois pas d'autre solution donc. Attends, parce que ça me gonfle. Et en revenant en arrière. Ah, bien encore. Saleté. Mais en revenant en arrière. Y'a rien à. Non, ça sert à rien. On a rien de plus en arrière. On n'a qu'un seul passage et éventuellement ce truc là sur le côté. Attends. C'est quoi qu'on a? Carte d'accès de badge de Madame Moore. Mais c'est toi qui dois le faire, on l'a le badge. T'es sérieuse?
Non. Le lecteur de badge n'est pas alimenté. Ah. On n'a pas. On peut pas. Bah, lui aussi, il faut activer le. Utiliser le truc qui est au milieu là. Bah, je veux bien, oui, mais. Non, je peux rien faire. Ah, je peux démonter ça, putain. Mais je me disais aussi. Ah, oh là, ok, attends. Vas-y. Stop. Ok. Ah qu'il y a de la zone, je sais plus où il est le truc. Ah, stoppé. Ah. Merci, tu es formidable. 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 J'avais pas vu que je pouvais le démonter, pourtant j'avais essayé, mais je m'étais pas approché. Je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Redésactive. Peut-être qu'en inverse, j'ai d'autres trucs à dévisser en fait. Bah là au sol, je vois pas ce que viens, tu dois dévisser. Viens. Ok. Le garçon. Ça. Allez, bah allez là. Oh, tu me fais chier. Voilà. Bah alors. Bugué ? Pas quand même. Voilà. Bah le truc à ouvrir, c'était ta plaque. C'est bon, ah vas-y. D'accord, je pensais pas que c'était sûr. C'est bon, t'es derrière moi. Okay. Waouh. Ok. Quoi? During quarantine, be sure to follow all assigned procedures. Do not interact with the source of the issue. If you notice any suspicious activity, contact your manager. A rescue team is on its way. Please wait. Non, non, y'a pas de rescue team, ta gueule. Ok. Diag. Diagnostic, présence d'agents autonomes inconnus, niveau d'oxygène, grande disparité dans l'approvisionnement, certains accès sont verrouillés par sécurité. NS, définir à nouveau l'état du réseau. NS. Boule. NS boule. Vrai ou faux? NS 0. Sécuriser le réseau à l'aide du levier d'urgence avant d'engager toute modification. Pardon. Allez. Ah. Unauthorized access. Unknown interference with quarantine parameters. Ah. Je peux pas les marquer de mon panneau. J'aime pas ça. Arrêtez. Arrêtez. Vous êtes ridicule là. Ah c'est toi. Il y a plusieurs côtés. Ok, on est bientôt fini. C'est cela, oui. J'entends des choses encore. Entrepôt. Ouais, bah il y a qu'un endroit où on peut aller. Oh. Supinement, on dirait qu'on. Regarde le cul. Oh, cette position. Oh oui. Ah quoi? Il est mine. Ah, oh. Je m'en occupe. Ah. À chaque fois, tu sais. Faut que je recharge un peu, attends. Code. Ah, il faut un code.
Ah, je peux pas le pirater. Non, dans le bureau. Je pense que le bureau, le maintenant, on a avec la carte d'accès, on peut. Qu'il n'y ait pas de poubelle. Ok. C'est de hacking. Pirate les données des chiffres, affiche les informations. Pirater les données. Computer task completed. Isabelle Moore, identification 9965. C'est bien. Déverrouillage de sécurité. Lorsque la quarantaine... Attendez, no reply zone déjà. Cryo, 789. Hall, 237. Entrepôt, 284. Ce serait 284 le code peut-être. Le code d'accès aux zones insensibles est composé de votre identifiant d'employé. Ah, suivi des codes spécifiques qui vous ont été envoyés avec un autre dans un autre courriel. Ok. Madeleine, vous pouvez prendre des tartes aux myrtilles et des madeleines dans le hall principal. Bonne journée à tous. Alors donc, ça serait... est composé de votre identifiant suivi des codes. Donc 9965 284. 9965 284. Oui. Ouais. 9965 284. C'est bon. J'arrive. J'aime pas... Oh, j'aime pas ce que je vois. Regarde en face. Oh, on va crever. Je sors mon arme. Enfin, alors, raccorder rapidement la bouteille après l'avoir déplacée. Ok. On en a besoin que deux, c'est ça? Oh. Oui, normalement, oui. On va se faire pourchasser, là. Je le vois venir gros comme une maison. T'aurais pu me dire que tu le prenais. Cours! C'est qu'on court en fait, est-ce que ça va exploser au bout d'un moment, je crois. Oui, bah. Et pour ton information, je suis plus lente que toi. Ah bon, bah. Ça sert à rien. Mais ça pète même si tu le reposes? Je sais pas en fait. Raccorder rapidement la bouteille après l'avoir déplacée. Oui, mais comment tu peux la raccorder rapidement? Je sais pas. Attends, j'essaie de la prendre et de la déposer. Non, elle continue de fumer. Bah, va falloir être plus rapide. Comment être plus rapide? Tu étais déjà en train de courir? Je sais pas. Y a une zone pour recharger en fait? Attention, recule, ça va péter. Comment c'est composé cette merde? Mais non, il n'y a rien ici. Mais c'est Anada. Et là-dedans. Ah non, c'est son bureau à l'autre, mais il n'y a pas de... Comment voulez-vous qu'on court plus vite que ça? Peut-être que si tu m'ouvres les portes avant. Ah, je te... Ouais. Ça me ferait gagner du temps. Ouais. Et du coup, ouais, tu fais des allers-retours, ouais. De toute façon, t'es plus rapide que moi. Ouais.
En somme, là, il faut que tu prennes le truc et à partir du moment où tu arrives là, j'ouvre la porte. Oui. Je sais pas en combien de temps elle se referme. Donc, Essaye, t'es prête? Ouais, bah attends, je me mets vers la porte. Vas-y. C'est parti. Ouais, beaucoup plus juste que ça, parce que... Ah bah du coup, je vais te... Tu vas devoir t'arrêter. Allez, on y croit, je mourrai avec toi au pire. Ok. Ok, ça va. C'est les premières portes qui te font perdre le plus de temps au final. Oh les travailleurs quoi. On va y arriver. Oui. Je sais pas pourquoi je vais là-bas parce qu'au final on s'en fout. Tu me dis qu'on est prête. Attends, elle se referme. Ok, vas-y. C'est parti. Je l'ai peut-être fait un peu trop tôt. Ça va. Celle-là, tu l'as frôlée. C'est un peu le haut du crâne qui a tapé, mais... J'ose pas, du coup. Mais oui, mais du coup, on perd du temps, en fait. Mais non, rien. On n'a pas perdu plus de temps que la dernière fois. Celle-là, je peux pas fermer. Ah non, il nous en manque... 4. 4 Hein? Ah, mais non, celle-là. Ah. Ils se sont fait enlever. Il disait. Ben. Et ben voilà. Maintenant je peux redémarrer le système. Je vais prendre mon âme parce que je ne sens pas. À tout moment, le jeu nous dit ah stop, combat. RB. Les systèmes sont stables. Ok. Et du coup, on peut... Ah, pardon. Pardon, madame. Je suis supérieur. Ouais, c'est ça. Ah merde, elle avait raison en fait. Ça c'est pour Billy. Comment? On y va tout petit. Non, bah alors ça c'est pas nécessaire vraiment, bien sûr. On va tomber contre une énorme araignée là. Non. Mais si, regardez des drôles partout. Oh dear, you're not gonna like this. If you hate spiders, I think you're gonna hate this. Il y a plus de petites cochons, c'est. Oh. 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 Ouh, beurre. Ouh. Il y a des vers là-bas. Je sais pas s'ils sont gentils ou méchants. Ils viennent sur moi. Ok, ils sont pas gentils. Même les petits? Non, les petits, on s'en fout. C'est les gros là.
intervient. Les singes, ils vont se calmer. Mais arrêtez, il a un truc de recharge, si tu veux. Mais c'est horrible ce qu'on entend. Mais c'est des bruits d'animaux, mais... Non, mais là, c'est pas un bruit, c'est pas un animal qui fait ça. Je suis désolé, c'est pas un animal. Animal, ça fait pas ça. Accès technique, distributeur d'oxygène et d'azote, recyclage du carbone. Là. Attention, parce qu'il y a des... Cochonneries un peu partout. Je les entends encore. Ah, elle était où? Elle était où? Elle était là. Ah. 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 C'est intéressant. Oh, ta race, maudite. Tu veux pas qu'on commence par ici? Ça revient au même, de toute façon, faut qu'on commence quand même quelque part. Un ordinateur ici. Je recherche des infos. De sécurité. Nous devons rappeler que pour des raisons de sécurité, les mots de passe d'accès ne doivent pas faire référence à un objet présent dans le laboratoire. Rien de visible ou de déductible. Veuillez les remplacer immédiatement. Sécurité du réseau. D'accord. 608 et 609 sont morts pendant la nuit. Ils ont de graves séquelles de morsures. Nous allons devoir nettoyer les cages. C'est dégueu. Il y a vraiment écrit c'est dégueu? Oui, oui. je vous soumets les préliminaires à la présentation des activités de Terra avant la visite de la ministre de la Défense. Merci de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et que ces préliminaires correspondent bien à nos activités. Merci. Je connais bien ces préliminaires. Ah, nouveau document. Ouais, bah c'est les préliminaires. Terra visite. Je te lis l'introduction. Attends, je termine juste les emails. Un accident s'est produit dans la zone du réacteur. Veuillez rester à votre poste et attendre les instructions de l'équipe de sécurité de votre département. Ok, c'est tout. Alors. Vas-y. Voilà. Activité de Terra. Introduction. Le projet Terra prévoit la colonisation de planètes candidates du système solaire par le biais de terraformation localisée. L'étude de l'amélioration des écosystèmes de Genetech a déjà mobilisé 350 milliards d'euros depuis sa création. Le groupe fait ainsi partie des leaders mondiaux de la recherche pour la résilience du vivant. Genetech s'est vu récompenser du prix de la meilleure réponse technologique à la disparition du vivant sur Terre. Résilience et développement. La vie est presque automatique sur Terre, il en va tout autrement hors de celle-ci. Genetech Biosystèmes travaille sur un moyen de modifier le génome du vivant pour qu'il puisse vivre dans des conditions difficiles telles que des températures extrêmes ou un air fortement saturé en dioxyde de carbone. Photosynthèse oxygénique. La photosynthèse oxygénique a alors été au cœur des enjeux écologiques de nombreux laboratoires en réponse au dérèglement climatique causé par l'industrialisation. Grâce à une compréhension très poussée du génome, nous avons produit une combinaison stable d'ADN permettant à de nouvelles bactéries d'exercer la photosynthèse. Photosynthèse oxygénique. La technique est actuellement testée sur du vivant plus complexe, comme les fourmis. En effet, elles font partie des insectes dont la population est la plus importante sur Terre. Résultat mitigé. Après nos modifications, les fourmis ne relâchent que 18% de l'oxygène généré par leur métabolisme. Certaines n'absorbent pas assez de CO2. Après 24 heures, les niveaux d'oxygène de leur environnement est plus bas dans certains cas. Il faut retenter l'expérience avec d'autres variétés de fourmis. Comme ces insectes sont suroxygénés, ils se développent très vite et ont une taille plus importante. Néanmoins, ils finissent vite par saturer la disponibilité en ressources de leur environnement. Sans extension de leurs frontières, ils meurent. D'autres essais sont en cours sur des vers de terre. Recherche en sciences cognitives. Le projet Terra comporte l'étude de l'amélioration des capacités cognitives d'espèces susceptibles d'assister l'humain dans un environnement hostile. Grâce à ses calculateurs quantiques, Genetech exploite de puissants algorithmes d'apprentissage qui sont ensuite implantés dans le cerveau. Une récente étude d'orientation spatiale appliquée sur des chimpanzés a donné des résultats très encourageants.
L'expérience consistait à deviner des chiffres inscrits derrière une série de cubes. La coopération entre l'algorithme et le vivant prouve encore son efficacité. Voilà. Très bien. Allez, viens. Bah, au début, je me disais, oh, en vrai, ça va, ça a l'air d'être des bons gars. Non. Et puis en fait, bon. C'est de la merde. En soi, c'est pas que c'est des mauvais gars. C'est qu'ils avaient des bonnes idées, des bonnes recherches, sauf que c'est parti complètement en couille. C'est surtout ça, en vrai. Parce que l'idée de base, pourquoi pas. Mais bon, l'exécution. Si t'as besoin d'énergie, non. Ouais. Attention, parce que je les vois pas toujours ces cochonneries. C'est surtout les petits qui me. Moi, c'est un petit qui m'a tué donc. Je sais pas où il est. Accroché quelque part, hein, cette merde. Peut-être qu'on l'a juste déjà eu. Je suis perplexe. Quoi? J'ai entendu. Ouais, moi aussi. C'est quoi ça? Bah, c'est la caméra, c'est tout. Alors. Ah, carte accès. Ok, parfait. J'essaie de tirer sur la caméra des fois que ça fasse quelque chose. Ah mais non, mais le tu, c'est l'énergie d'à côté qui s'est rechargée. Ah d'accord. Donc ça, j'imagine que c'est des vers de terre. Ah, arrêtez non, commencer. Si on allait tout tuer. Genre on fait le ménage puis on voit pour le reste. J'ai tiré dessus. Il s'en est battu les coups. Ah ouais. Wow, ok. Donc nous désirons tuer des choses rapidement. Et ensuite, tuer des choses, c'est pas se faire tuer par des choses. Tu comprends. Mais il va si vite. Oui, bah oui, c'est pour ça qu'il t'a tué déjà aussi. Tout à l'heure. De là. Voilà, laisse le temps de venir. Okay. Ici c'est bon. On visitera après. Enfin, on récupérera ce qu'on a déjà récupéré sur nous. Serpent, non? Ouais. Salope. En fait, c'est pas qu'il y avait un petit qui courait, c'est que c'était celui-là qui m'a tué en fait en me balançant son truc à distance. Ouais. J'ai récupéré la clé avant même d'avoir ouvert le match. Ça n'a aucun sens. Au serpent. Bon, au serpent. Au veille. Bon, alors là, ça va être compliqué. J'ouvre et on recule. Ouais. C'est plus.
plus simple. Par contre, entendre les chimpanzés au fond comme ça, je te jure, c'est absolument horrible. C'est absolument horrible. Ah, j'ai un truc à analyser. Okay. Processing new data block. Ok. Nouvelle personne. Marc A de Fanel. De Fanel. Badge perdu. De Fanel. C'est badge qu'on a trouvé. C'est tout, il n'y avait rien d'autre, c'était juste pour de Fanel. Bah, à mon avis, ça va être utile quand même parce que. Ils ont dit qu'il fallait certains mots de passe. Ah, là, il y a des computers. Les computers. Ah, il y a des computers. Ça, c'est fermé. C'est digicode. Là. C'est juste pour la maquette. Ah là. Ouais mais. Croissance des plantes et traitement. Y'a rien ? Y'a personne ? Y'a rien ? Y'a rien. C'est absolument rien cette pièce. Ok, viens. Ah, j'ai pas vu. Je recule dans l'autre. Ok, ok. Bon. Connexion à la caméra, liste des appareils, liste des appareils. Caméra, plante, bureau, couloir, couloir, bureau de test. Caméra, plante, on l'a déjà vu. Pourtant, en présence d'insectes de grande taille en liberté issus d'expériences de modification des génomes du laboratoire. Aucune trace du supercondensateur dans cette zone, le dôme est notre dernière chance. Pour notre sécurité, nous avons décidé de réduire la fréquence de nos notes. Le milieu est hostile, rester immobile nous expose à un danger certain. Génial, c'est rassurant ça. Ouais, c'est 5. Oh, il y a encore des serpents là-dedans. Enfin, des vertuaux. Mais alors du coup c'est bien, j'ai accès à toutes ces caméras. Ça sert à quoi exactement? Aucune idée. Il y a la caméra bureau mais je vois pas bien... Enfin c'est là où on devrait aller parce qu'il y a un truc mais je vois pas comment on y accède. Alors attends, il y avait un truc à code, c'est ça? Bah c'est pas là qu'il y a les bureaux justement? Digicode, tu peux aller au milieu. Ah c'est le... Ah! Parce que tu vois, j'aimerais bien aller là-dedans. Bah moi aussi. Et la porte est verte, et j'ai accès à cette caméra-là. Mais je peux avoir accès à cette caméra. Sens. Bah non, passant ici, il n'y a rien. Il y a des trucs qu'on a oublié de refaire peut-être, non? Ouais, on peut aller rechercher l'autre. Ah, c'est quoi ça? 1, 2, 0, 7, 9. Ouh. Travers la vitre. Oui, mais alors fais attention parce que... Ah, c'est pas ça apparemment. C'est pas ça? Viens, faut qu'on retrouve l'autre truc dont il parlait par rapport au... C'était pas là. C'était là. C'était ça, là. CRC. Non, RC. Il parlait d'un truc par rapport au code, justement. Qu'il fallait pas que ça soit trop obvious. Computer task completed. Processing new data block.
Les mots de passe d'accès ne doivent pas faire référence à un objet présent dans le laboratoire. Rien de visible ou de déductible. Veuillez les remplacer immédiatement. Ouais, mais il n'y a que ça. À moins qu'il y en ait d'autres. Est-ce que c'est en rapport avec la caméra que j'ai, du coup? Peut-être. Je continue d'explorer de mon côté ou pas? On sait grave. De toute façon, là, il n'y a pas de... C'est pas comme si je craignais quelque chose en soi. Les monstres restants sont à l'intérieur du... J'ai vraiment fait tout le tour, alors que ça servait à rien. C'est... Oh. Ok. Quoi? Essaye 8, 2, 2, ah. 8, 0. Attends que je retrouve la porte. Je suis en train de faire tout le tour pour rien, parce qu'en fait c'était juste à côté. Je suis en train de faire le tour complet, c'est très long. Fais attention aux trucs dedans qui te foncent pas dessus. Je pense pas que ça ouvre la porte automatiquement. Tu as dit quoi, oh, le code? 8, 2, 2, 8, 0. Viens avec moi au cas où. Je suis prêt à... Ok, vas-y. Non. C'est pas ça? Ok, alors j'ai pas tout à, totalement compris. Parce que je vois depuis la caméra ce que tu voyais, mais du dessus en fait, tu vois. Ah, attends. Le troisième, c'est quoi? Le troisième et le quatrième. Je ne vois rien. Pardon. Ah, ça va mieux. Le troisième, c'est 2. Ok. Le quatrième? Le quatrième, c'est 8. Donc, 1, 2, 2, 8, 9. Peut-être. Ah, tu crois qu'ils y ont modifié? 1, 2, 2, 8, 9? Non. C'est quelque chose comme ça. Ou alors... Oh, attends. Non, mais c'est forcément les cubes, mais... Dans quel sens c'est censé être... Ouais, alors, le... Dis-moi le... Oh, je sais rien. Le premier, le deuxième et le dernier. En partant de la droite ou de la... Pardon, de la lumière. Bah, de la gauche. Le premier à gauche, c'est 0. Ok. Le deuxième. 8. Et le dernier. 8. 0, 8, 0, 7, 8. 0, 7, 8. Non. Je vais regarder en même temps que toi comment c'est foutu. Ça doit pas être trop évident. Tu peux pas, tu peux voir que le dessus, tu peux pas voir de côté. Je peux voir de côté si, mais le bout, mais je vois pas l'intérêt, le bout sert à rien. Oh, attends. Tu veux dire de l'autre côté? Non, je vois rien. Il y a que le 0 et le 7 sont renversés, donc... Bah ouais. Et du dessus, c'est... T'as déjà essayé en plus du dessus. Ah, il me semble. Je retourne là-bas. Ou alors... 97021 à l'envers. Non, mais c'est en rapport avec ce qui a été modifié, hein, mais... Mais c'est une traverse, c'est aussi. Moi, les deux chiffres qui sont modifiés, ceux qui sont couchés, donc le 3 et 4, mm-hmm. C'est ça?
C'est 2-2. 2-2? Oui, c'est 1-2-2-2, 9. Si c'est pas ça. Huit, deux. C'est combien le chiffre sur le côté? De, duquel? Qui sont sur qui sont pas correctement mis par rapport 0 à 0 et 7. 8, 2, 0, 7, 0. 8, 2, 0, 7, 0. Non. Les trois derniers, alors 8, 2, 0, 7, combien 1 9. 9 8, le 2, dernier, 0, 7, c'est 9. Le 9. 8, d'accord. 2, 0, 7, 9 Ouais. Toutes les combinaisons. Non. Bah alors, je comprends pas dans quel sens on est censé le lire avec, entre la caméra et toi. Ou alors il faut le retourner oh, dans l'autre sens. Putain, information sur l'environnement de mon scanner. Reconstitution visuelle. Ah ! Ah, ok. T'avais un truc à scanner ? Ouais, les, c'est la disposition des cubes. Les chiffres qu'il y a sur les cubes. Bordel de bite, t'aurais pu commencer. Pas. Alors attends. Le 1 est là. Warning. Energy low. J'ai plus d'énergie. Attends. J'ai plus rien pour une... Il est où le truc d'énergie? Je sais plus, dans une des salles. Alors, ce serait... Je suis pas sûr de comprendre. Mais ça me dit pas comment c'est tourné, comment... Ça me dit rien, en fait, ça me dit pas. À côté, c'est le 9. C'est-à-dire ? Ça te montre quoi ? Reconstitution visuelle. Je sais pas comment t'expliquer ça, moi. Attends, je regarde ton live, ça sera plus simple. Ouais, parce que là. Donc, ne bouge pas. Je bouge pas. Je vois pas en quoi ça nous aide. Oui, on a la disposition des cubes, mais ça nous aide pas, en soi. Mais il y a 6 chiffres, il y en a pas 5 là. Donc ça, il y a 6 chiffres. Oui, mais on s'en fout. Ouais. C'est la disposition du cube. C'est un cube déplié, Shiva. Ah, bah si, du coup, ça nous aide. Bah, vas-y, parce que moi, j'y comprends rien. J'ai jamais compris, ça. Alors, en admettant que ça soit de ton côté, la visibilité, d'accord? Ok. Donc, donc toi, ce qu'on doit modifier, c'est le 0 et le 7, d'accord? Ok. 0 et 7, on est sur le 0 de ce côté-là. De ce côté-là, il y a le 2 à l'envers. Tac, tac. Si on le retournait... Pour que ça soit dans le bon, dans le bon sens... Est-ce que ce serait la face cachée derrière, du côté de la chaise? Ah, la face cachée de chaque truc? Ouais, mais il y en a deux, des faces cachées. Non, c'est l'opposé de chaque truc.
Est-ce que c'est à l'opposé ou est-ce que c'est sous la sous au niveau de la table, en dessous de la au niveau du. Donc ça serait 8 9 7 0 89702. C'est ça, mais putain. Moi, c'est l'opposé des faces que moi je vois en fait. C'est le côté d'accord. Opposé. Quel intérêt d'avoir la caméra du coup de... Ce que je pensais. Bon, vas-y. Vague. Warning. Pressure balancing in progress. Ah, ça sur les côtés là. Sale. Petite merde. Il y en a encore à l'intérieur, non? Je sais rien. Non? J'entends. Oh. Derrière. Oh, putain, merde. Mais ça vient à l'infini, j'ai l'impression. Viens, viens. Je peux me faufiler, moi. Je me faufile. Eh ben, grouille. Moi je. Il faut que tu sois là. Ah pardon, là. Attends. Vite ! Ferme ! Fer ! J'ai bientôt plus de munitions. Tu sais que si on n'était pas si nul et si débile, on aurait déjà fini le jeu. Oui. Mais on est nul et débile. Oui, d'abord. Opening main hatch. Oh. Ah, mais c'est une sorte de grand dôme en écran. C'est oui. Pas un vrai ciel si t'avais pas je compris. Je propose qu'on arrête là. Tu veux qu'on arrête ici? Ça me va. Ouais, comme ça, ça nous fait... Parce que si on avance trop d'un moment, j'ai peur que le prochain live, on le termine en très peu de temps. C'est vrai. Ah merde, c'est moi qui marche, c'est ça. Beau. Et puis on est dans une zone calme, pour le moment. Oui, pour le moment. C'est tout, pour le moment. Bon, bah j'espère que ça vous a plu, malgré le fait qu'on soit vraiment très très nul. Ouais, mais on a quand même beaucoup plus avancé. N'empêche, moi qui me disais que le truc des cubes, j'allais jamais comprendre. Dès que j'ai compris que je l'ai plié dans ma tête et que j'ai juste fait l'opposé, ça allait. Oui, ça allait. Bon, et eh ben on se retrouve mardi. Mardi, oui. C'est ça, mardi pour. Oui, parce que demain, je vais pas vous mentir, je pense que je ferai rien encore une fois. Je suis dans une semaine creuse. Qu'est-ce qu'on joue à quoi mardi déjà? Dead Space 3. Ah oui, Dead Space 3, oh là là. Non mais je suis un peu de mal hein. Donc on se retrouve mardi pour Dead Space 3. Désolé pour mon côté que la moitié du stream on n'entendait rien. Non, ça arrive. En même temps j'aurais dû me douter parce qu'il a fait une mise à jour aujourd'hui et j'aurais dû vérifier. J'aurais dû vérifier à cause de la mise à jour de Streamlabs. Bah enfin bon, c'est comme ça. Et bah en tout cas on vous dit à mardi, bye bye. Bye bye.